Bien, salut tout le monde, c'est Nemikupa et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où on ira dans l'île de glace, je suppose. Et donc voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai mis la carte où on doit y aller. Voilà, on doit y aller ici. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai prévu. Oh mon dieu, des requins! Et puis j'avance un petit peu pour que c'est un peu plus rapide. Donc dites-vous que la vidéo risque d'être quand même un peu courte. Bah déjà c'est quand même bien tant qu'il y a une vidéo. Ok, c'est bien le temple du rat. Ça sera hors des grenouilles. But! Je l'ai eu mais ça ne me sert à rien pour l'instant. Malheureusement ça ne me sert à rien pour l'instant. Eh oh, c'est quoi toute cette glace? Comment on fait pour accoster? Link, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. La méthode. Ou tu me fais tout exploser. Non. Normalement, faut y aller de ce côté-là, mais... J'ai décidé de ne pas faire ça parce que je suis un tuglive. Allez. Ok, donc faut donner 2-3 coups. Non mais par contre tu te casses. Casse-toi. Merde, j'avais presque à faire 100% du premier coup. Mais je me suis fail. Ah ouais, lui il donne 20 rubis. Cassez-vous, bande d'enfoirés, vous ne mourrez jamais! Oui, donc j'ai vendu quelques trucs aussi hein, hors vidéo et ça m'a donné beaucoup de thunes. Donc je suis à 1000. Toi tu meurs. C'est fini. Ouais, on a réussi. Allons sur l'île. Île du gel. Tan tan tan. On va vous attaquer! Ouais! Ok, donc je suppose qu'on doit aller dans la maison du chef, hein. Et Link. Je me demandais ce que cachait toute cette glace. Eh bien, regarde, de la neige à perte de vue. Oh my god. Oh, on a du courrier. Achoum. On dirait un paysage de conte de fées. C'est pas tout ça, mais moi, je veux prendre mon petit courrier. Par contre, c'était où le truc de boîte aux lettres de merde? D'accord, un trésor qu'on devra prendre plus tard, mais j'ai la flemme, alors on le prendra jamais. Et en plus, je suis sûr que ça doit être un trésor de merde. Ah bah t'es là. Livraison spéciale. Est-ce que c'est un truc pour équiper? Ah, petit goron. Ouvre bien tes oreilles. Frère Link, ça roule pour moi, ça roule, roule. J'ai trouvé un petit job sur une petite île au sud-est. Viens me voir si ton bateau passe dans le coin. Je me mettrai en boule en attendant. Pes, j'ai mis un cadeau, t'en feras un petit goron. D'accord, c'est cool. Ok, je pense qu'il est sur l'île Merquet et qu'il aide le mec qui nous répare notre notre grue. Voilà. Je suppose qu'il travaille avec lui, mais on ira voir ça plus tard.
Ouais, c'est sûr, ça doit être ça la maison du chef. But, j'avais raison. Qu'est-ce que tu vas faire? Hey mec, je suis le boss des Hanuki, l'île de la glace. Alors, sur Spirit Tracer, il s'appelle l'île c'est d'Eskimo. Donc, on va quand même les appeler les Skimo. Skimo. Allez, on les appelle Hanuki. T'as un nom? Ah, alors c'est Link-O, hein. Alors, Link-O, notre tribu a quelques badrages de nos jours. Oh oh! Oh! C'est Link! C'est ton nom, tu... Sûr? D'accord, j'ai du mal à prononcer. Va prendre la serrure. Allez, va t'asseoir. Les Anouki, c'est-à-dire nous, ont un ennemi sur l'île, les Miglous. Les origines de notre querelle sont perdues depuis dans l'histoire de nos ancêtres. Alors, il y a 100 ans, nous avons signé un traité et les Anouki sont à l'ouest et ces poilus de Miglous vivent à l'est, dans le champ de glace. Mais un fou de Miglous est venu s'infiltrer dans notre territoire. Je sais c'est lequel. Il a pris un de mes villageois! Depuis ce gredin. Donc ne vous inquiétez pas, en fait, l'imposteur, je sais il est dans quelle maison. Tu peux aller voir les autres pour qu'ils te donnent des indices. Ou tu peux aller directement aller voir le Miglou. Coudon, c'est un vrai moulin à parole, le boss du village. Je suis sûr qu'il essaye de nous entourlouper avec son baratin. Mais nous sommes ici pour l'acier, nous devons être circonspects. On s'occupe de ça en vitesse, on récupère l'acier, Link. Oui, mais l'acier, ça sera dans 2 épisodes. Ouais, parce que prochain épisode, on fera. On fera. Oh, une désolée rusée. D'accord. Allez. En fait, s'il y en a qui ment vraiment, et eh ben voilà, mais bon. Vous allez voir. Donc, vous allez dans cette maison ici. Donc, la deuxième en haut. La deuxième en haut, regardez. Voilà, deuxième en haut. Vous allez le voir. Moi, c'est Haru. Voilà, il ment. Et lui, il ment. Je suis Haru. D'accord, donc, faut sortir, faut re-rentrer ensuite. T'es pas obligé de parler à tout le monde, hein. Je suis Haru, nanana. Ah non, sérieux, faut vraiment aller tous les voir. Oh putain. Oh, c'est chiant. Je pensais qu'on pouvait tricher. Ouais, c'est Haru qui ment. Je le sais que c'est Haru. Parce que j'ai fait de mon côté. En fait, le truc, c'est que genre, j'ai pris un autre fichier. Et j'ai pris un autre fichier. Et de toute façon, avec l'autre fichier, eh ben, je l'ai copié. J'ai copié l'autre fichier de celui-là, donc voilà, t'as compris. Oh putain, casse pas les couilles. Et donc, en final, j'ai fait un peu de mon côté, et donc après, et ben en final, j'ai vu que c'était Haru qui mentait. Mais moi, je pensais comme qu'on pouvait tricher très rapidement. Mais malheureusement, non. Mais par contre, si tu dis quelqu'un, si t'accuses quelqu'un qui est innocent, au final, il va faire mal comme. Il va faire genre comme quoi il est tombé dans les pommes, il est évanoui. Il va faire ça. Donc après c'est chiant parce que t'es obligé de re-aller voir le chef pour qu'en final bah, il se calme. Et donc voilà. Allez. Eh hey mec, qu'est-ce que t'as à me regarder de même? Tu prétends que je suis suspect? Et dites-vous que tous les Anouki ont une barbe, sauf lui. Donc vous avez quand même une très grosse preuve. Oui! Arrière, ne t'approche pas, je te dis que je suis innocent. Si tu t'approches, je vais devoir me défendre. Ne t'approche pas plus. Réfléchis 2 secondes, fais pas le niais. Oh cachot. Hé! Comment tu as deviné? Parce que tu n'as pas de barbe. Non, parce que j'ai du talent, le talent du Koopa et en même temps tricheur Koopa. Moi qui pensais que mon déguisement était génial. T'aurais eu la barbe, elle serait vraiment géniale. Malheureusement non. Tu es un Miglou. Tu avais l'air si honnête. J'aurais juré que tu étais Haru. Ne fais pas le niais et rends-toi. Ne résiste pas. Chut. Tu continues à crier avec cette voix perçante. Ça me brille les méninges! Qu'est-ce qui lui arrive? Je vais te manger! Non, je ne suis pas très comestible, j'ai un mauvais goût, je suis jaune et tout, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Bah, je vais pas me résister. Je vais me rendre gentiment. Et attends une seconde, ne bouge pas! C'est trop bien!
Allez, vite, j'ai envie de faire les derniers trucs de la vidéo parce qu'il reste que 2 minutes, 10 minutes et après je pourrais tourner vite du Pokémon. Ah oui, mais je vous dis que là. Donc oui, j'ai oublié de le dire au dernier stream de Pokémon Lune, mais en fait le mercredi, en fait mercredi prochain, c'est-à-dire mercredi 25, il n'y aura pas de stream. Par contre, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos, mais en fait, je vais les planifier. Et mec, on m'a tout dit, Link. Bon, attendez, je vais vous le dire. Belle performance et tout, nanana. Eh bien, quelle question? Bien sûr que nous voulons nous revenger. Hé, c'est vrai que t'avais dit que t'allais dire ça. Tu peux y aller. Allez, casse-toi. Va prendre ton nageur d'acier. Donc voilà. Donc mes vidéos, je les planifie car j'ai mon ordinateur qui marche. Fabuleux. Mais en fait, je ne ferai pas de vidéo là-dedans. Enfin, pour le moment, j'en ferai pas du tout. Mais le truc que je vais faire, voilà, magnifique. Ouais, 20 rubis. On a 1001 rubis, les 100. Et ben en fait, voilà, tout simplement, maintenant que j'ai mon PC, je peux planifier des vidéos. Et donc en final, vu que je peux les planifier, en final, je n'ai plus besoin d'attendre qu'il soit 17h pour mettre des vidéos en ligne. Par exemple, là, à l'heure où je tourne, il est 16h05. Et ben, oui, je tournerai une vidéo. Genre là, je tourne cette vidéo. Puis après, le truc que j'aurais dû faire, normalement, c'est genre, après, voilà, je regarde des vidéos. Et dès qu'il est, en fait, 16h57, et ben, c'est là où j'arrête de regarder les vidéos. Donc après, je stresse. Bah, quand il est 17h, tout simplement, je stresse pour que la vidéo, elle, soit bien à l'heure. Donc voilà. Que maintenant, bah, vu que je peux les planifier, bah, au final, je m'inquiète plus. Car maintenant, je sais que, eh ben, au final, YouTube le fera à ma place. Et ça, c'est cool. Salut! Et donc, voilà, vous savez tout. Et donc, par contre, là, je tourne des vidéos en avance. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des chances que, eh ben, en fait. Ah! Donc en fait, il y a des chances après que, vu que j'aurais pas eu le temps de tourner trop de vidéos en final, eh ben il y a des chances en fait que ben y a des vidéos qui vont pas être pour toute la semaine prochaine. Donc par contre, je préfère vous prévenir, s'il y a des vidéos qui ne seront pas toute la semaine prochaine, les vidéos reprendront en fait directement, les vidéos reprendront lundi. Normalement. Soit lundi, soit mardi. Ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, elles reprendront. Salut! Miglou, Miglou. Oh, est-ce qu'on peut faire une doublette? Merde. Oh, 5 rubis, je les veux. Allez, meurs. Cool. D'accord. Et donc, ben voilà, maintenant vous savez tout. En fait, là je tourne les vidéos sur mon téléphone, mais en fait, après, les vidéos, en final, après, pendant le upload, en final, bah, les vidéos, je les planifie sur mon PC, je mets la journée et l'heure. Et aussi un autre truc que j'ai dit, vu que je sais que cette vidéo sort le vendredi 20, donc déjà aujourd'hui. Pour ceux qui veulent, vous avez Fire Emblem Hero, vous avez Fire Emblem Warrior, et en plus, plus qu'une semaine à attendre, et on a enfin notre Super Mario Odyssey, ce qui est vraiment cool. C'est donc ça le temple de la glace, malgré la tempête de neige, il fait plutôt douillet à l'intérieur. Au moins, nous ne sommes plus en froid, hein, Link? Et donc en fait, le truc, c'est que, tout simplement, et ben le truc en fait, c'est que, ben en fait, voilà. Samedi 21, en fait, il n'y aura qu'une seule partie. Il n'y aura qu'une seule vidéo de Mario Kart 64. Tout simplement parce qu'en fait, eh ben, je n'ai pas eu le. Non, c'est même pas que j'ai pas eu le temps, sinon je l'aurais déjà tourné. Mais en fait, j'avais essayé de tourner la coupe étoile. Mais en fait, eh ben. Enfin, non. La coupe spéciale, mais en fait, il y a eu tellement de bugs. Mais tellement de bugs. Qu'en final, bah, c'était un bordel. C'était un bordel, j'arrivais même pas. En fait, j'arrivais même pas à conduire sans qu'en final je faisais que de bugger.
Donc bah, au final, samedi, ne vous inquiétez pas, vous aurez qu'une seule vidéo de Mario Kart 64, c'est normal. Et pour dire le samedi d'après, il n'y aura pas de vidéo du samedi, tout simplement parce que les let's play du samedi, en final, elles reprendront le... Elles reprendront tout simplement le... la deuxième semaine du mois de novembre. Donc voilà, je vous ai fait l'annonce, je vous ai fait ça. Donc voilà, maintenant on va s'arrêter ici. Donc oui, c'est quand même une vidéo très courte, mais ne vous inquiétez pas, le prochain épisode sera très très long. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et en plus, vous avez un petit truc pour vous abonner, donc ne vous inquiétez pas, vous l'avez ici normalement. Où se pointe avec le stylet, vous l'avez ici. Donc ici, vous pouvez vous abonner. Ici, vous pouvez voir la dernière vidéo. Et ici, vous pouvez voir la playlist. Donc voilà. Je vous ai montré les endroits, de toute façon vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc moi je vous dis abonnez-vous. Et puis salut tout le monde!